Bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle émission de Fort Boyard. Avant de commencer, permettez-moi de vous présenter l'un des modèles phares de notre collection printemps-été 2006 Fort Boyard, cette combinaison de scaphandriers. Oui, je sais ce que vous allez me dire, c'est pas l'idéal pour jouer les Playboys sur la plage et vous auriez raison, mais voilà, ici on fait avec ce qu'on a. Bon, après la collection, voici maintenant l'équipe printemps-été 2006 emmenée par Anne Gaëlle. Aujourd'hui sur le fort, nous recevons une joyeuse équipe à la fois motivée dans l'effort et dans la bonne humeur. Avec Antoine Denerriaz, champion de ski alpin, médaillé d'or en descente aux Jeux Olympiques de Turin. Françoise Laborde, journaliste et écrivain. Amine, musicien et chanteur. Doudi, comédien plus connu sous le nom de Samantha. Son double, Pépès, plus connu sous le nom de Chantal. Et enfin, Serena, chanteuse. Passe-partout, passe-temps, ouvrez la grille. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous y êtes. Plus question de faire marche arrière maintenant. La cloche, ça y est. Profitez-en bien, hein, parce que là, c'est un petit peu le plus calme avant la tempête. C'est quoi, on s'est déjà vu? Ah bon? Ça ne faisait pas sur la tempête. Ils sont un peu... Oui, un petit peu. Hein. Bon, vos réactions, Françoise, qu'est-ce que t'en penses? Comment tu te sens ici? Je trouve ça très très bon, formidable. Je trouve que les tigres cocottent un peu, mais c'est pas très grave. Et sinon, c'est très sympathique. J'espère qu'on va pas être totalement nul sur ces épreuves. Mais non, faut pas partir comme ça, t'inquiète pas. Donc c'est très joli, le fort à l'œil, ça vous l'avez compris, mais ça fait aussi très mal aux jambes. Donc après l'architecture du fort, je vous propose d'aller rencontrer directement le maître du fort. On y va. Le maître du fort. Pour entrer dans la salle du trésor, l'équipe doit déverrouiller les serrures qui la protègent. Les clés s'obtiennent en réussissant des épreuves physiques ou en répondant correctement aux énigmes du perforat. Si un candidat ne sort pas d'une épreuve avant la fin du temps imparti, il est fait prisonnier et envoyé dans les cachots de Fort Boyard. Attention, avec seulement 5 clés obtenues, la grille s'entrouvre en ne libérant qu'un accès minimum, ce qui limite considérablement la prise des boyards. Avec 6 clés, l'accès limité pénalise toujours les allers-retours vers le trésor. Pour que la grille s'ouvre entièrement, 7 clés sont nécessaires. Est-ce qu'ils sont passés les autres ? Bonjour Passepartout, bonjour Passe-temps. Comment ça va-t-il bien ? Bonjour Amiens. Salut, ça va ? Ça va bien et toi ? Oui, impeccable. Bon, bonjour à vous. Bonjour. Soyez... Non, c'est l'équipe à deux, en fait. Regardez ça, ça y est. Ah, on a déjà trois. Bonjour Antoine. Et où sont les autres? Complètement essoufflés. Salut. Et alors, hein? Enchanté. En Chantal. Salut. Bonjour. Voilà, mais Françoise, eh bien... mais quoi? Tu es arrivée. Plaisir de te voir. Moi aussi. Merci mon Robin de m'avoir invité. Alors dites-moi, comment ça va-t-il bien d'abord? On n'a toujours pas de clé. Non, ça va venir. Je ne suis pas sûr que vous allez être beaucoup aidé par eux, mais enfin, on ne sait jamais. Comment, alors, ton impression à toi? Écoute, pour l'instant, petite forme, il faut le temps de se mettre en jambes aussi, hein, tout va bien. Mais grosse motivation. Grosse détermination. On est bien motivés. Et puis, tu sais que... elles sont déjà cuites toutes les deux, c'est pour t'aider. Bon, oui, j'ai l'impression. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais tu sais que d'habitude, on a toujours des équipes mixtes dans l'émission. Oui, oui. Mais alors là, on a aussi des candidats mixtes. Hein, et là, ça promet, hein, j'ai un petit peu peur. Mais nous, tout le monde le sait que c'est des perruques. Viens devant la caméra, Anne Gamel, je vous présente. Bon, allons-y. Parlons sérieusement maintenant de ce qui vous attend, à savoir pour la première phase de jeu, 45 minutes afin de récupérer les 7 clés. Important bien sûr pour déverrouiller la salle du trésor. T'énerve pas cocotte, voilà, ça y est. Mais oui, logique. N'oubliez pas que vous jouez pour une association, tout de même. Alors justement, parlons de cette association, laquelle est-ce? Alors c'est l'association Juste pour eux, qui vient en aide aux petits-enfants, notamment au Maroc. C'est une association qui permet de construire des écoles, de donner des livres, de faire du développement durable. Pour l'instant, c'est au Maroc, mais ça va se passer dans tous les pays du Proche-Orient. Très bien, parfait. Juste pour eux, ça s'appelle. Juste pour eux. Donc vous allez en effet vous battre juste pour eux. Le gong vient de retentir, ce qui veut dire que nous n'allons pas perdre plus de temps que ça. Antoine, viens donc ici, s'il te plaît. C'est toi qui vas commencer. Alors, comment te dire? Pour cette épreuve, c'est un peu comme le loto. Si c'est que c'est toi qui vas faire le tirage, et que le gros lot, bien sûr, c'est... c'est la clé. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. C'est
Tiens, Françoise, viens avec moi. On va lui donner des indications bien précises. Regarde bien la clé. Regarde, elle se trouve sur la droite dès l'entrée de la cellule. Il faut qu'il la referme bien. La clé est sur la droite dès l'entrée de la cellule, Antoine. Crie-le bien à travers la porte. Et toi, la clé est sur la droite à l'entrée de la cellule. L'as-tu vu? Voilà, il passe la tête. Le truc pour libérer la clé, c'est qu'il va vraiment devoir mettre l'une des planètes, tu vois, sur sa gauche, dans la petite rampe. Il faut mettre l'une des planètes dans la petite rampe. Est-ce que c'est clair ce que je te dis? Pas du tout. A vu trouver laquelle des planètes, Antoine, tu entends? Antoine, tu as compris le principe ou pas? Antoine, réponds! Antoine, parle-nous! J'ai l'impression qu'il a compris. Voilà, il essaye de mettre l'une des planètes. Alors, t'as vu, il y a différentes tailles, différentes couleurs. Il a pris le truc, là. Je t'entends. La rouge, c'est bon! Et c'est la rouge, Antoine! Oui. C'est pas mal, c'est pas mal! J'ai la clé! La boule est tombée, voilà. Ça va libérer la clé, si tout se passe bien. Et il faut qu'il ressorte maintenant pour aller là-dedans. Sors! Mais regarde la clé! Regarde la clé! Première épreuve, deux fois pour motiver. Bravo, mon toi. Tu t'es senti complètement à l'aise, toi, là-dedans? Je suis pas trop. Pas trop? C'est vrai qu'il faut de la force et de la précision à la fois. Est-ce que tu entendais quand on parlait ou pas? On t'entendait rien? Il faut crier. Il faut crier fort. Allez, cours partout. Bravo à toi. Je vous propose qu'on perde pas de temps parce que le chrono tourne. On y va, on suit passe-partout, on file, rejoindre Olivier. C'est qui court partout, alors? C'est le premier. Cours partout, vas-y. Première clé déjà. On voit. Ça commence tranquillement. Très bien, parfait. Non, parce qu'on pourrait penser qu'il y avait de la dispersion, mais en fait, pas du tout. Concentration de la part d'Antoine. Non, mais ça y est, on est dedans. Non, mais je sentais bien qu'avec Antoine, vous alliez performer. Et il y en a toujours à la traîne. Chantal, ça va? C'est qui a la traîne? Tu es concentré? Alors, c'est super. C'est bien entraîné, toi. Génial. Bien, Françoise, donc, fera le reste de l'émission d'en bas, je suppose. Françoise! Oui, Françoise! Mais je m'étais perdue. Qu'est-ce qu'elle fait, Françoise? Françoise. Voici maintenant une nouvelle épreuve qui demande là aussi beaucoup de concentration. Oui. Vous allez procéder à un casse, un cambriolage. Facile. Enfin bon, le brosouf. Le seul problème, bien entendu, c'est de préserver l'anonymat des deux personnes qui vont provoquer ce cambriolage. Ah, j'ai donc décidé que Mrs. Blonde et Mrs. Brune viennent nous rejoindre. Venez, Chantal et Samantha, s'il vous plaît. C'est par ici, c'est devant, c'est comme ça. Vas-y, rentre d'abord la première. Passe. Attention, mesdemoiselles, c'est parti. Allez, go les filles, un bout de vous organiser. C'est la clé, les gars. Allez, on y va. On ferme la porte. La clé, regarde ça. Droite en haut. À eux de s'organiser. Non, alors là, ils sont en train de mettre tous les deux. Tu vois, là, il faut que quelqu'un passe le premier, qui fasse passer le barillet. Passe de l'autre côté. Voilà. Passe de l'autre côté. Il passe de l'autre côté pour attraper le barillet. Non, non, mais qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il passe par devant. Hein. Et qu'il sorte le barillet, qu'il y en ait un qui passe et qu'il se fasse passer l'un et l'autre. Dis-lui de sortir le barillet. Les gars. Il y en a un qui passe d'abord. Il y en a un qui passe. Passe devant. Samantha, tu passes devant, vous faites passer le barillet, les crans du barillet sont parfaitement adaptés à chaque cloison, à vous de vous débrouiller pour le faire passer et pour aller récupérer la clé. Concentrez-vous là. Tire le morceau. Allez, vas-y. Hein. Il faut les envoyer, vas-y, concentre-toi, mais vas-y, fais vite. Mais non, mais surveillez bien la clé, sinon ils ont encore le temps. Hey, fais vite. Comment j'en vais faire, regarde. Il faut passer par où? Mais bah, tu fais passer dans les trous, enfin. Fais-le passer dans les trous. Mais faites puzzle. C'est comme ça. Allez, faites-le pivoter doucement. C'est bon, c'est bon. Amine, tu crois pas que c'est très très lourd? Ok. Les crans sont adaptés à chaque cloison. Il y a deux cloisons à traverser, et ensuite, voilà, ça y est, ça passe. Attends, tu sais que c'est comme un malade. Voilà, ça y est. Super, allez, on continue. Allez, la deuxième. Faites vite. Et attention de ne pas te laisser emprisonner sur toi, hein, parce que si le barillet reste coincé, on perd Samantha. Hein. C'est bon. Ok, c'est bon. Là, 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 là
encore un poil de temps, mais... Encore un petit peu. S'ils la font vite, celle-là. S'ils la font vite, c'est bon. Sinon, à nous de surveiller la course. Oui. Allez, ça y est. Dépêchez-vous, c'est la dernière. Ah là, ils vont jamais avoir le temps. Ils vont mieux que ça. Sortez. Allez, tu lâches tout. Tu ressortes. C'est facile. Ok, on les lunettes. C'est bon. Félicitations. C'était Et comment vous vous êtes organisé là? On n'a rien compris. Moi, j'ai pas compris qu'au départ, il fallait d'abord que la clé fasse. J'ai pas compris. Ouais. En même temps, t'expliques que dalle. Hein. Tu plaisantes ou quoi? Je t'ai donné plein d'indications. Ah, on n'entend rien du tout. T'es fatiguée, chouchou. Ah, c'est facile pour toi, moi j'ai rien. Bon, c'était quoi la principale difficulté? Mais il fallait que passer la clé à l'intérieur pour passer de l'autre côté à chaque fois. Mais moi, je faisais rien parce qu'elle disait tout le temps, laisse-moi, c'est moi qui ai fait la clé. Je suis OK, d'accord? Et donc, en même temps, si moi je fais rien, moi ça sert à rien que je suis rentrée avec elle. Tu vois ce que je veux dire? Mais qui vous a dit que ça allait être facile, Fourvoyard, enfin, franchement? C'est Chantal. C'est court partout. C'est court partout. Bon, on y retourne. Deuxième épreuve. Angèle. Angèle, un petit message pour deux personnes de ton équipe, à savoir Françoise. Oui. Tu avoueras rarement des préférences parmi les candidates, et là, cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi. Il a envie de voir Françoise en vigie. Quant à Amine, il peut suivre Passepartout pour la prochaine épreuve. Allez, Amine, tu suis Passepartout, et Françoise, tu files en vigie. On compte sur toi. Hein. Tu vas aller rencontrer le père Foix. Et puis, bah, nous, bah, pas le temps de reprendre son souffle, hein, c'est même pas la peine. Allez, hop, vous suivez, on va à la prochaine épreuve. Vous ne devinerez jamais ce que je suis en train de faire. Dans mes voix, non. Eh bien, écoutez, figurez-vous que je suis en train de rédiger mes mémoires. C'est une bonne idée, ça, dites-moi. D'ailleurs, je ne résiste pas au plaisir de vous en lire un petit passage. Mais je vous en prie, faites donc. Au hasard. Vous avez une vie tellement passionnante. Alors, voilà. Et c'est quand je fis mes premiers pas que maman m'offrit ma première paire de belles sandalettes en cuir. Elles étaient belles, elles étaient en cuir, elles étaient souples, elles étaient marron, elles étaient pratiques, elles étaient... Excusez-moi, parfois, franchement, je trouve qu'il y a du style. Il y a du style, c'est détaillé, c'est... Mais le problème, on a peu de temps. Peut-être qu'on pourrait vite aller, je sais pas, un peu plus loin. Oh, bah, pas de problème, alors là, on va beaucoup plus loin. Et elles étaient légères, elles étaient solides, elles étaient uniques. Père Froid, excusez-moi, mais voilà, voyez-vous, le candidat va arriver, on a peu de temps, on est prêt pour le truc. Demain, si on se voyait demain. Ah, demain, ça c'est une belle idée. Oui, parce que c'est important, faut me comprendre, mon petit Olivier. La première paire de sandalettes dans la vie d'un homme. Mais j'en veux pas. Bon, écoutez, puisque c'est comme ça, demain, je vous lirai ma première partie d'Osley. Vous verrez, c'est beaucoup plus court. Ça ne fait que 300 pages. J'ai vraiment hâte d'y être. Elles étaient toutes jolies, mes sandalettes. Qu'elles étaient belles, mes sandalettes. Oh, j'oublie. Écrivain, rédactrice, journaliste. Eh bien, il ne manquait plus qu'une clé à son palmarès. Françoise. Oui. Eh bien, sachez que ça me fait plaisir de vous voir arriver ici en souriant et même en rigolant. Oui. Bah oui, je me suis demandé. Je me suis demandé dans quelle humeur vous étiez aujourd'hui. Mais fort heureuse, ma foi. Oh. Et plutôt badine. Bon, eh bien alors, badinons. Oui. Mais quoique, réfléchissons tout de même. Oui. Parce que vous êtes ici pour ça. Oui. Écoutez bien l'énigme. Oui. Bien des départs, elle nous indique. Elle est en paille. Sous les tropiques, présente sur tous les chiquiers, le fou doit, quant à lui, s'en passer. Qui est-elle, je répète? Bien des départs, elle nous indique. Elle est en paille sous les tropiques, présente sur tous les chiquiers, le fou doit, quant à lui, s'en passer. Qui est-elle, Françoise? Ça peut pas être un pion, ça peut pas être la dame. C'est quoi la première phrase? Bien des départs, elle nous indique. Départ, ligne? Non. Ligne, départ, feu, coup de feu? Non. Pourtant, vous étiez bien, vous aviez la bonne technique, c'est laisser aller les idées. Mais non, c'était la case. Oh! Oui, dans
les jeux de société, on trouve toujours, il y a toujours une case de départ. La case est une maison tropicale. Oui. Un échiquier est constitué de 60 cases. Et on dit communément d'une personne un peu folle qu'elle a, qui lui manque une case. Bah, écoutez, vous gardez le sourire tout de même. Oui, bah, enfin, bon, mon oui. passe-temps. Prenez garde tout de même. Et merci. Oh, bah, très vite. C'est très joli, charade. Et je suis vos pérégrinations. Hein. Mm. Allez, et puis je croise les doigts pour vous. Et puis, allez, on garde le moral. Oui. Hein. Je la remets dans le placard tout de même. Oui. Hein. Bon. Oh, j'étais nul. On me dit toujours qu'il me manque une case. Je me demande où j'ai pu la mettre, d'ailleurs. Bien, bon. Une vigie de raté, c'est peut-être une promesse de clé suivante. C'est souvent ce qui est arrivé dans nos émissions, avec peut-être celle-ci. Comme vous la voyez, elle est donc attachée. Pour la détacher, il nous faut donc un cadenas pour détacher le truc. C'est bien, ça va. Un code, reviens ici. C'est un code. Cadenas, code, logique. Comment on appelle ça un truc? Donc, pour le code, c'est Amine qui va nous le retrouver. En tout cas, nous l'espérons. Amine, d'habitude, tu es en solo, là tu vas être en duo. Pourquoi? Parce que ce pont de singe est à deux face à toi. La redoutable gymnaste qui risque fort, si elle arrive avant toi à récupérer le sac à mi-parcours et à le ramener à bon port, c'est donc elle qui risque fort de détruire le code qui vous permettra de récupérer la clé. À toi donc d'être rapide. T'as compris ce qu'il a dit ou pas? De ne pas tomber et de ramener tout ça à bon port. Ok. Attention, Amine. Okay. Bonne chance. Il y a aucun sens. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, mon canaillou. L'évolution de la gymnase, il a beaucoup d'équilibre. Bon, on perd pas de temps, là, on est sur le sérieux. Il faut vraiment qu'avec la petite clé, qu'il ouvre la boîte, qu'il ouvre le code. Chantal, ce que tu peux faire, c'est te mettre devant le cadenas. Ça va définir le code, on gagne du temps. Allez. Allez. Ouais. Écoute. 7, 2, 4, 1. 7, 2, 4, 1. 7, 7 2, 2, 4, 7, 1. J'ai la clé. 7, 2, 1. 1. 4, 1. 4, 1, pardon. 4, 1. Attendez. Aligne bien les numéros pour que ça puisse voilà, s'ouvrir. 7, 2, 4, 1. Allez, vas-y, tire-moi. Je comprends rien. Super. Il a failli tomber chez les tigres, attention. Un peu plus, c'est ça. Bravo, tu tombais bien parti. C'était juste, hein. J'ai cru qu'elle allait la faire exploser. Le code. Je vais la chercher. Il y a combien de ça quand ça tombe chez les tigres? Deux clés, trois épreuves, deux clés. Oui. Bon, ça n'a pas marché. Non, chez c'était nul. Non, mais c'est pas grave. Mais non, t'as François, pas été nul. Tu vas avoir le temps de te rattraper. Oui, quand il y a un cas d'Alzheimer qui est pas. Bah oui, c'est ça. C'est pas grave. Te laisse pas faire. On est avec toi. Allez, on se passe partout. On y va. Bravo, Amine, on prend toutes les petites. On perd des équipés. À tout de suite, on y va. Je n'avais pas dit, une vigie perdue, c'est une clé de retrouvée. Eh bien sûr. C'est ce que tu l'as dit tout à l'heure. Je l'avais dit tout à l'heure. Tout à fait. Chantal. Chantal, non, c'est oui. pas ici. Non, Chantal. Oui, c'est bizarre. C'est on dit Chantal et puis il y a Samantha qui vient. Oui. Bizarre, hein. Chantal, je fais appel à l'homme qui est en toi. Ok. T'aimes les bains ou les jacuzzis? Je t'en prie. Ok. Attention, c'est parce que tu fais pas. Mets-toi à nu. Corps. Elle reste sexy malgré tout. Oui. Tu peux donner ton toupet à Angel, par exemple. C'était pas très joli. Oui, mais cela dit, en même temps, par rapport à ce qu'il va faire, c'est pas très important. Non, mais parce qu'il y a des gens. Je te propose de te présenter à la porte et surtout, bonne douche. On dirait deux frères, c'est marrant. Ok, Olive. Attention. Vas-y. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu repères d'abord la clé. Regarde, elle est dans un flotteur. Pour la récupérer, il va falloir qu'il récupère de l'eau dans les douches dès qu'elle se déclenche. Je peux pas. Ah oui, t'es blonde. Alors, donc, qu'est-ce que je dis? Voilà, dès que la douche se déclenche, il va chercher de l'eau. Il récupère de l'eau. Qui bouche les trous du chaudron. Tu dois boucher les trous du chaudron. Il remplit le réservoir pour que la clé remonte. Ah, il faut que tu remplisses le réservoir pour que la clé remonte. Il peut regarder les lampes, elles s'allument à chaque fois. À chaque fois, il y a une lampe qui s'allume, ça veut dire qu'il y a de l'eau qui va tomber. Voilà. Tu entends ce que je te dis? Tu peux répondre, non? Oui. Oui. Ouais. Allez, c'est parti. Il n'est pas obligé de remplir le chaudron à chaque fois. Il peut prendre des petites quantités. Il est obligé de remplir le chaudron à chaque fois. Écoute.
s'écrit. Mais vas-y. Tu bouges bien les trois avec tes doigts. Bouge bien les trois avec tes doigts. Ah, tu m'entends quand je te parle? Allez, on se réveille le temps. Tu n'entends pas si tu es sourd. Allez, allez, allez. Oh, il est tout mouillé déjà. Ah, super. Qu'est-ce qu'il fait? Il est tout mouillé. Comment il en faut encore plus pour faire remonter la caisse. Dis-lui, dis-lui qu'il repère là où les lampes sont allumées. Repère où les lampes sont allumées. Repère où les lampes sont allumées. Il y a pas de shampoing quand il fait. Il y a du shampoing ou pas? Parce qu'il voudrait faire une douche en même temps si c'était possible. Après, on prend d'abord sur la clé. Récupère la clé d'abord. Allez, vas-y. Ce qui est bien, c'est que tout est couplé en courage à fond, quand même. Alors. La clé remonte, il prend pas assez d'eau là. Est-ce qu'il bouge bien les plus d'eau à la fois? Prends plus d'eau. Prends plus d'eau. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Pépette. Pépette, prends plus d'eau. Merci. Allez, mais dépêche-toi. Allez, mais Pépette, il te saoule. Il est court, là. Regarde, il marche. Il est plus tranquille. Mais tu marches. Il faut que tu cours. Il faut que tu cours. Elle remonte pas la clé, elle est bloquée. Il n'aura pas assez d'eau, j'ai l'impression. Oh là là. Il aura jamais assez de temps. Allez, sors de là. Sors de là. Oh, je te jure. Oh, bah voilà. Pardon, je vais garder ça. Pardon. Bon, écoute, mais ta perruque. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu courais pas, hein? Tu y allais tout 3 heures après. J'ai trouvé ça. Alors, génial. Pas de clé, mais juste pour eux, on va aller jusqu'au bout. Bon, hey, petite douche froide pour garder les idées claires. C'est pas mal. J'aimerais bien entendre votre cri de guerre, peut-être. Ah oui. Ça va vous motiver. On y va. Allez, je tape la perruque. C'est parti. Mettez-vous dans l'ordre. Attendez. Allez-y. Oui, c'est moi qui commence. C'est toi qui commence. Solo. Ah, c'est parti. Eh ben, juste perds pas de pour temps. Ensemble nous ferons de notre mieux. Il va vraiment falloir faire de votre mieux parce que l'association est en jeu, je vous le rappelle. Oui, on compte sur vous. Combien de clés passe-partout? Alors ouais, et ben c'est pas assez. Tiens, toi tu récupères ta perruque et on y retourne en petite foulée. C'est parti. C'est pas assez. Pas encore, il va falloir un peu plus. Bon, bah, on peut pas gagner non plus, à tous pas les coups. Pas à chaque fois. Mais c'est impossible, monsieur Mine. Mais je vous dis que c'est possible. Non, c'est impossible. Venez ici. J'ai besoin d'un homme qui, ma foi, n'a peur de rien. Et avec ce que tu nous as montré cette année à Turin, Antoine, je sais que nous pouvons compter sur toi. Ouais. Grand champion olympique, je le reprécise. Viens donc te présenter à nous. Et Serena, toi aussi, tu n'es pas très coquette, ça va? Tu es coquette ou pas dans la vie? Coquette, ouais, un peu, bah oui, quand même. Ça se voit quand même un petit peu. Eh bien, oublie totalement cette dimension-là de toi. D'accord. Et vas-y, fonce, car il y a une clé au bout du chemin. Allez, courage, on laisse tout. Attention. Allez, on y va. Allez, on continue avec vous. Bon, est-ce que vous voyez la clé? C'est alors, normal, elle est enfermée dans l'une des trappes. Donc elle a le bâton, c'est très bien. Le bâton. Le bâton. Elle le prend par le bout noir, Sylviane. C'est quoi? Tu le prends de l'autre côté, le bâton, de l'autre côté. Tu le prends par de l'autre. Voilà. Voilà, super. La petite astuce, c'est qu'elle tape blanc contre blanc. Voilà. Comme ça, blanc contre blanc. Blanc contre blanc. Le bout blanc du bâton contre le bout blanc. Le blanc du bâton. Blanc contre blanc. Blanc contre blanc. Voilà, ça va nous donner un peu plus de précision. Voilà, plus de précision. Allez. Dans l'autre sens. Mais dans l'autre blanc sens. Blanc contre blanc. Ouais. Ouais. Super, rien du tout. Faut lui dire en chantant, elle comprendra. Oui. Blanc contre blanc. Allez, allez. En chantant dans l'équipe. Dépêchez-vous. Allez, Antoine. Moi parce que logiquement on peut se c'est faire du café. Avec plaisir, dis-nous. Du café, on peut se faire de la pâte à pizza si vous voulez parce que je j'adore crois qu'il y a de la farine. Cocktail. Voilà. Il y a du café, il y en a menthe à l'eau parce que je l'ai pris. C'est pas mal non plus Antoine. Hein. Ah vous êtes pas loupé. Bon hey, c'est super, une clé de plus. Bravo. Un vrai maquillage de scène pour vous. On file tout de suite. On va vous embrasser. Olivier, vous embrasserez tout ça. Mais restez comme ça, vous êtes bien, mon cher Julien. Restez charmant comme ça. Allez, on y va, c'est parti. On file. Ah, vous êtes tout collant.
qu'a eu Chantal. Eh oui, bien sûr. Je dirais plus que Chantal maintenant. Tu l'auras tout à l'heure sans tarder, je te le promets. Ceci dit, ça sent pas mauvais le café. Oui, hein, c'est jamais du café de grenadine, c'est rien d'autre. Sérieux. Très bien. Super pour les cheveux. Et ça colle en plus. Un petit café. Je te préfère avant quand même. Bon, vous savez ce qu'on dit dans la vie? Dans la vie, on dit il faut garder les pieds sur terre. Ou alors la tête en l'air. Pas mal. Oui. Ici, il faudra avoir et la tête et les pieds en l'air. C'est pour Amine. Amine. Merci, mon cher Amine. Bonne chance à toi avec cette ventouse. Emprunte l'échelle qui est là. Vas-y, vas-y. Ne tarde pas. Allez, c'est parti. Tu perds pas de temps. Tu prends l'échelle. Ça sert que pour la vie. Tu passes par là-haut. C'est que pour la vie. C'est que pour la vie. C'est le truc qui est par secret. Et s'il tombe par terre, ça sonne l'alarme, c'est ça? Donc tu fais bien attention à tout ce que tu fais, Amine. Et tu fais rien tomber, surtout. C'est parti. On va où? On va où? Alors attention, surtout dites-lui bien qu'il ne fasse rien tomber. La fausse, il la garde bien. Il ne fait rien tomber. Il peut descendre, s'appuyer sur la petite bibliothèque. Ouais. Il peut descendre, s'appuyer sur la bibliothèque. Bon. Et après? Et voilà. Après ouais, prends l'échelle. Attention au cadre derrière lui, hein, de ne pas le faire tomber non plus. Voilà, la corde, les espaliers, il les emprunte par le bas. Les escaliers. Les espaliers. Voilà, est-ce qu'il a repéré la clé au moins? Est-ce que tu as repéré la clé? Elle est dans la petite vitrine. Elle est dans la petite vitrine. Mais fasse bien attention. Mais tu fasses bien attention. Dans les espaliers, Aux escaliers, j'ai dit. Ah là, tout. Allez, mon ami. Ne touche pas le sol. Allez. C'est bien. C'est bien. Et pour poser ses pieds, là. Tu peux reposer tes pieds sur les escaliers. Alors là, attention, le hamac. Amine, saute pas en long. Saute pas en long. Non, mais il n'est pas obligé de sauter, il peut peut-être prendre appui avec ça. Oh, appui! Oh là 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 là! Il a touché l'alarme, il a déclenché. Mais non, c'est précipité là. Non, il n'est peut-être pas dû vous dire de sauter comme ça. Ah, mais j'ai pas dit. Le mieux, c'est lui qui a dit. Bravo, Tepes. Non, mais peut-être le mieux, c'est d'y aller tout doux. Et là, il est prisonnier. Et bah là, c'est mal. On a aidé pour l'instant prisonnier. Vous inquiétez pas, rassurez-le. Dites-lui que la boule va venir le chercher. La boule, le monsieur la boule, il va venir te chercher. Dites-lui qu'il est très sympa. Il est très sympa. Il est un peu costaud, mais il est très sympa. Bon, il était bien parti, c'est dommage. Amine, domine pas. Sérieux, on continue pour toi. Bon, on y va, passe partout, on te suit. Le chronomètre tourne, on perd pas de temps. On y va. Bon, les nouvelles commencent. Il était bien parti, ne plus être très bonne là. Ah non, là on a la mine déçue. Pas mal. Mais vous avez Amine qui va essayer de vous remonter le moral malgré tout. C'est pas le truc. Oui, mais on peut pas le libérer, Amine, franchement. On peut pas s'en passer. Mais vous, oui, Françoise, mais ce n'est pas l'objet de cette émission. Ce n'est pas l'objet de ce plateau. Rappelez-moi d'une cabine qui fonctionne. Alors maintenant, pour ce qui est de l'épreuve qui nous attend. Il est où, Amine? Il est en prison bientôt. La boule est allée le chercher. Je propose à Françoise de faire un petit test d'ophtalmo. Oui. Hein? Tu vas voir si ta vue est bonne et tu nous ramèneras une clé éventuellement. C'est tout ce que je vous souhaite. Allez, vas-y, avec toi. Mademoiselle, à bord. Attention. Tu as un homme en face de toi. Rien ne sert de le séduire. Il n'y a pas d'écran. Voilà. Alors voilà, il va falloir qu'elle trouve trois petites clés pour ouvrir un cadenas qui se trouve au-dessus d'elle et récupérer la clé qu'il nous faut. Il faut lui expliquer. Non, mais là, elle a compris. Regarde, t'as trois gobelets. Il y en a peut-être un. Alors, pas 36 000 personnes qui lui parlent à la fois, s'il vous plaît. Juste une qui donne son avis. Je te donne mon avis. Attends, ok. Restez concentrés là-dessus. Françoise? Oui. J'ai eu Monsieur de Carolis. Si tu sors pas avec la clé, tu vas sur Arte. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. À vous. Soyez sérieux quand même. Ça y est. Qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Il y a deux stratégies. Soit ça paraît évident, tu lui donnes la réponse, soit tu proposes l'inverse parce qu'il peut très bien le dire. Au milieu, ou l'inverse. Au milieu, ou l'inverse. Françoise. Qu'est-ce que je fais avec ça? Il faut encore deux autres clés pour ouvrir. Il faut encore deux clés, Françoise. Qu'est-ce que je fais? J'enlève ça? Allez-y. Quand tu veux, Charlie. Je vais l'orter. Allez, deuxième clé. Allez, Françoise. Le même principe. Au milieu. Mais toujours au milieu. C'est bon. Il est au milieu. La clé est au milieu. Allez, on y retourne. C'est son métier. Surveillez bien la clé de cidre, s'il vous plaît. La clé de cidre. Ah, le temps. Il est bon, Roche. C'est bon, Roche. À
gauche. À gauche. À gauche. À gauche. Ou l'autre. Oui. À ta gauche, oui. Vas-y. Vas-y, vas-y, t'as le temps, Françoise. Bon, alors laissez Antoine lui parler peut-être. Ok, vas-y, j'ai rien. T'as l'air bon. À gauche. Ah non. Ah là là. Il faut encore deux clés, hein. T'as encore le temps. T'as le temps. Vas-y. Je vais pas regarder. Mais prends les trois. Au milieu. Vous dites au milieu. Allons-y. Allez, plus qu'une clé, Allez, on se dépêche maintenant. On ouvre le cadenas, plus qu'une clé, on ressort, tout le monde est content. Un peu de temps. Faut un essai. Un seul essai, après tu pars. Un seul essai. Sors. Non. Vas-y, regarde. Non. Attends. Vas-y. Bien joué, Françoise. Bravo, Françoise. C'était bien joué. Bah, oui, mais non. Les deux premières, tu les as eues. Mais c'est pas facile. En fait, il change. C'est le jeu. Il est là pour t'embrouiller. On l'a jamais vu. Le manipulateur, c'est un homme fort. C'est un manipulateur, c'est ça? Ouais, c'est bien ça. Parce que quand tu suis le gobelet, en fait, il va changer de. Mais tu t'en es pas mal tiré quand même, deux clés sur trois, on dit. Oui, mais c'est pas trois sur trois, le principe. Alors, qu'est-ce que bien, mes amis, je suis désolé de vous le dire. Françoise a en effet œuvré au mieux, mais malheureusement, toujours pas de clés. Vous n'en avez toujours que trois, ce n'est pas suffisant, vous le savez. Je propose maintenant une petite vigie avec le père Foura. Mon avis, l'énigme ne sera pas trop difficile puisqu'il a choisi une blonde, il a choisi Samantha. Et vous venez me rejoindre ici, s'il vous plaît. Allez, on compte sur toi. Tu nous la ramènes, ce qu'il est. Hein. Vas-y. Hein. Tu suis pas vas-y. Vas-y, Samantha. Bon, j'espère qu'il va bien s'en sortir, qu'il va nous ramener une quatrième clé. On en a vraiment besoin. On pense à l'association, on essaye de rester concentré là-dessus. Juste pour eux, ensemble, on fera de notre mieux. Voilà. Merci Françoise. Allez, on y retourne. C'est parti, passe par là. Et vous, vous l'avez jamais? Non. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Drôle d'espèce, ça doit être en voie de disparition. Parce que j'en ai encore jamais vu sur le fort. Bonjour, bonjour, Samantha, c'est par ici, c'est par là. Oui. Bien, ça commence bien. Ah, il est là. Voilà. Salut, mon père. Bon, oui, bonjour mon garçon, oui, dis-moi, j'ai jamais vraiment compris toutes ces blagues sur les blondes, moi. Oh ben c'est pareil, ça fait pas moi non plus, je les comprends pas toujours. Oui, parce que croyez-moi, j'ai vu beaucoup de bras avec des cervelles blondes. J'ai pas compris. Eh bien... C'est l'énigme déjà. Oui, c'est oui, alors, Patrick Topalov. Voyons voir. C'est pas ça. Bon, eh ben écoutez, mon petit passe-temps, on va faire avec. Hein. Joue avec nous. Écoutez bien, c'est parti. Ok. Parfois de sèche, elle est qualifiée. Nombreuses plumes, elle a imprégné. Elle est discrète quand sympathique et fort utile à l'art calligraphique. L'encre, Je répète ou pas? Non, c'est bon. Non, parfois de sèche, elle est qualifiée. L'encre de sèche. L'encre dans laquelle trempe la plume de l'écrivain. Okay. L'encre sympathique. Non, et l'encre qui sert en calligraphie. C'est bon, vous pouvez passer. Je peux exister un peu tout de même. Oui, bien sûr, allez-y. Bon, allez, bah, écoutez. Eh ben, je pense que je vais me teindre en blanc. Moi aussi. Bon, ben voilà, voilà. Non, je n'embrasse pas. Après, on s'attache. Allez, on descend. Qu'est-ce que je fais? J'ai gagné une voiture, c'est ça? Voilà, un petit conseil. Voilà, fais descendre. Parce que alors, j'aimerais rouler en mini, si c'est possible. Parce qu'il n'y a que les mini que je rentre dedans. Ouais, formidable. Génial. Parfait. Une clé supplémentaire. Bien, alors, pour l'épreuve qui nous attend maintenant, je pourrais dire bien des choses. Je vais m'adresser au champion que tu es, Antoine. Sache ici que Stéphane Traîneau a brillé de mille feux. Je crois qu'il a d'ailleurs remporté le record en quelques secondes seulement. Essayez de faire aussi bien. Voici les gants. Je sais pas si je vais les enfiler. Si, par contre, pour les retirer après, ce sera plus compliqué parce qu'ils resteront attachés. Bonne chance à toi. Allez, Antoine. Présente-toi devant la porte. J'arrive pas à les attention. Ça y est, t'es équipé. Ne pense pas, Stéphane Traîneau, surtout. C'est bon. C'est bon. 3, 2, 1. Allez, Antoine. On y va. Voilà, c'est parti. Il va jouer au roi Arthur. Il faut qu'il ait beaucoup de force là, pour sortir cette épée de la bouche. Écoute, heureusement que vous avez un sportif dans les deux. Vas-y, Antoine. C'est bien, formidable. Pas mal du tout. Alors maintenant, sur sa gauche, voilà, il y a un cordage. Tu tranches le cordage. On tape toujours au même endroit. Je tape toujours au même endroit. Il l'a sorti très rapidement, cette épée. Bravo. C'est bien, continue. C'est quand même une épée de 20 kilos. Il a sorti ça tranquillement. Vas-y. Allez, toujours au même endroit parce que ça tranche pas. Ça coupe pas, il faut vraiment frapper. Tu y es prête? Vas-y, t'as pas fini de te le raconter. Allez. Tu y es prête? Il faut qu'il remette le cordage en place. Vas-y,
termine. Vas-y. Voilà. Ah, il y est presque. Il le remet dans la place. Remets-le en place. Voilà. Il vous casse tout. Il nous casse pas la clé. Allez, Arthur. Allez, arrêtez. Attends, il y a bien. Bravo! Excuse-moi, j'ai apporté une clé. Mais bravo! Mais on avait une clé! Je sais pas si ça intéresserait bien, vous avez une clé! Attends, c'était facile, mais j'ai trouvé la clé! Oui, bravo, super! Allez. On continue? Les 5 clés, c'est bien! Vous êtes bien repris, c'est super! Comment j'ai trouvé? Non mais c'est ça l'histoire, c'est simplement ça. Excalibur, te sens toujours la même chose. On est avec des champions et des champions, c'est tout. Ouais, c'est énorme. Alors Chantal, vous avez une tête énorme. Non, non c'est Samantha. On recommence. On reprend. Mais c'est bizarre, je vous vois brune. Ah ouais, parce que derrière, mais je suis... Ah, c'est pour ça. Et voilà, c'est les sourcils. Bien. Maintenant, on va parler échelle. Échelle? Oui. Qui dit échelle, dit barreau. Non, Richter. Ah non, dit Barreau. Farolite. Non, dit Barreau. Qui dit Barreau dit cigare. Non. Qui dit cigare. Qui dit Barreau dit prison. Ah, ça j'aime. Te voilà donc prévenu, Samantha. Allez, c'est parti. Passe partout. Équipe donc, Samantha. C'est quoi ça? Ah, tu paniques là, tu paniques. C'est quoi? Il va falloir, Samantha, que tu fasses appel à l'homme qui est en toi. Ah, ok. Alors attention, c'est parti. Allez, donne-moi ça. Doudi, sors de ce corps. Quoi? Attends, mèche rebelle. Attention, il y a une technique. Ah, c'est bien. C'est bon là. Voilà. C'est parfait. Mieux, ce serait trop. Parfait. Attention. Allez, vas-y. 3, 2, 1. T'as compris, mais c'est dur, c'est ça? Voilà, super. Là, il faut se consortir. Allez, on va voir. Allez, derrière, maintenant. C'est compris. Dessous. Et là, il y va à l'envers, je sais pas si c'est la meilleure méthode. Attention à toi. Allez, dépêche-toi. Allez, sors-dessus. Il faut pas vous perdre, il faut ramener la clé, c'est ça le but. Allez, vas-y. Concentre-toi sur la clé. C'est quoi que mettre en avec le portage? Je vais essayer de se démêler. Qu'est-ce qu'il fait? Pense à la clé. Pas assez de temps, malheureusement. Pas de clé pour cette épreuve. Retard. C'est fermé? Bosch. Oui. Ah, merde.
Samantha, Samantha, t'inquiète pas, tu vas aller visiter les sous-sols. Un petit tour au cachot, ça ne te fera pas de mal. Donc la boule va venir le chercher. Je tiens la boule, t'arrives te chercher. Bon, allez, on y retourne. François, tu nous suis, c'est parti. Prochaine épreuve, on y va, on reste motivé. Hein. Cinq clés, c'est pas assez. Hein. Allez, 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 allez. Il est temps de faire rapidement un petit bilan quand même, parce que Passepartout, combien de clés pour l'instant ? Cinq. Bon, c'est bien, ouais, c'est bien, mais il en manque quand même deux, et deux prisonniers. Ouais. Ce qui est beaucoup. Ouais. Bon, on ne va pas tarder. Serena, tu vas nous prouver une fois de plus sur ce fort qu'il vaut mieux avoir 10 doigts que 2 yeux. Bonne chance, viens, présente-toi devant la porte. Ouais. Attention. Et c'est parti. Comprenons. Regarde la clé d'abord, hein. Si tu veux, c'est bon. Alors, surtout, clé, pas de panique. Tiens, Ah oui, vas-y. Qu'elle brasse bien le fond, il y a forcément la clé dans l'une de ses jarres. Tu risques rien, hein. Là-dedans, elle est la clé est forcément dans une de ses jarres. Là, elle va trop doucement, là. C'est la comme ça. Deux par deux. Deux mains par deux mains. Deux par deux, c'est. Mais les deux bras en même temps, dans deux jarres différentes, pour gagner du temps, Serena. Surtout qu'elle est parfaitement à l'aise, elle a pas d'avoir peur, donc elle en profite. Vas-y, Lou. Allez, on y va, on vas-y, y va. Vas-y, vas-y. Brasse, brasse. Malaxe. Voilà. Non, mais c'est bien, continue comme ça, c'est bien. Super. Elle est super calme. Ouais, ouais. Allez, allez, allez. Vas-y, l'autre, ensuite. C'est bien, reste calme. Allez, la clé se trouve forcément dans l'une des continue la bobinette. Ah, c'est sympa. C'est bien, t'as le temps, super. Allez, allez. Je sais pas ce que c'est le truc qu'il y a là-dedans. Serena, on compte sur toi. Je la sens bien, cette sixième clé, là. Ouais, ouais. Non, il n'y a pas. Allez, allez, allez. Non, fais le tour. S'il y a un sandwich, ramène-le-moi. Bon, elle a encore le temps, ça va. Là-dedans, il n'y a rien. Au niveau du temps, mais c'est bon, si, hein, Serena. Il y a forcément, Serena. Vas-y, vas-y. Forcément. Brasse bien le fond. Tu vas la trouver, tu vas la trouver. Essayez. Vas-y, l'autre aussi. Sois méthodique, hein, n'oublie pas de jarre. Allez, allez, allez. Oh, c'est bien. Alors bien. Allez, Serena, allez, fouille bien. Allez, allez, allez. Sois méthodique, désolé, les petites pas de jarre. Je vais vous en mettre partout. Hein. Oh, les petites souris, comme elles sont mimi. Fouille bien, t'as le temps. Est-ce qu'elle va bien jusqu'au fond déjà? Bah, jusqu'au fond, quand même, quand tu mets les mains. Jusqu'au fond déjà. Ben, là, il y a un fond, là. Je m'excuse, mais je crois que j'ai des bras un peu courts. Ne t'excuse pas, toi. Eh, en fait, elle y est pas. Elle y est forcément. Elle y est forcément. Qu'elle... qu'elle se mette sur la pointe des pieds pour avoir peut-être un peu plus. Mets-toi sur la pointe des pieds peut-être pour avoir les bras plus. Mais je allez, remets les bras. Je t'assure qu'elle y est pas. Remets les bras tout au fond. Tu sors. Sors, Serena. Ouais. Que là, elle y est. Ah, bravo, tu te sors. Elle est où? Elle était dans la dernière, elle n'arrivait pas au fond de la jarre. Oh, en fait. Tu l'as depuis le début, puis tu nous as fait quoi? Il faudra la nettoyer avant d'ouvrir les portes. Un petit peu de rebondissement, regarde, tu nous attends là. Tu nous as fait peur. Ah, ouais. Allez, rince-toi les doigts, les mains, tout ça. Bravo, oh, c'est bien joué. Passe partout. Combien? Eh ben voilà. C'est de mieux en mieux. Allez, c'est bon? On ne veut pas savoir. Oui, je ne veux pas savoir, mais je voudrais que ça bouge. C'est parti, allez, hop, où tu vas? On y va. On descend. Alors, tu passes partout. Alors moi, j'aime ça. Ouais, alors c'est le 45 cm carré que je veux. C'est ça. Vas-y. Ok, on fait attention avec les pompes là. Allez. C'est sympa. Alors. Et donc, oui, oui, mais attends. Bonne équipe, hein. Vraiment. Plutôt bien joué. Non, très bien joué. Bravo, Serena. Je ne sais plus qui sont les hommes. Qui c'est la grenadine ou tu t'es blessé? Non, c'est des grenadines. Non, c'est pas de... Avant toute chose, Françoise, oui. Je dois te dire que tu vas maintenant suivre passe-temps oui. Pour te préparer pour l'épreuve suivante. D'accord. Enfin, une petite surprise pour toi. Donc je vous laisse. Oui. On te retrouve tout à l'heure. Bon, alors j'espère que vous serez toujours là. Hein. Mais nous aussi, on espère que vous serez là. T'inquiète pas. Bien, alors essayons de faire un sans faute. Pourquoi pas faire cette clé? Ce serait formidable pour l'équipe, bien sûr, mais pour l'association surtout. Mais tiens, Chantal, tu vas voir dans cette épreuve-ci. Comment t'expliquer? Tu commences toute grande et tu finis toute petite. Voilà. Aïe. Allez, viens par ici. T'as pigé? Non. Attention. Allez, il reste pas énormément de temps, donc là, il va falloir que tu fonces. Tu perds pas de temps. Allez, zoupe, passe, on y va. Tu fonces. Vas-y. Attention. Et sois bien méthodique, surtout. Essaye les clés, voilà. T'as trois clés à trouver. Elles sont accrochées au plafond. À toi de les mettre dans chaque serrure. Ah ouais, ok. Allez, vas-y. Voilà, voilà, voilà. Il va falloir aller très très vite parce que la cellule est en train de rétrécir.
Et qu'est-ce qu'il fait là sur la première clé? Allez, voilà. Ça y est, les trois. Il va se rendre compte que c'est pas forcément évident d'ouvrir chaque serrure. Et quand il y en a une qui est bonne, il la laisse dedans. Okay. Il la laisse dedans. Allez, super. Allez, une prochaine. Allez, vite, vite, vite. Il reste énormément de temps. Allez, vite. Aïe, 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 aïe. C'est déjà la cloche qui vient de retentir. Reviens, 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 Pépès. Reviens, écoute, c'était très bien parti. Pépès. Ouais. Allez, viens. Viens. Eh ben oui, tu veux rester? Désolée, non, tu avais encore du temps sur la clepsydre, mais surtout la cloche vient de retentir, ce qui veut dire que c'est la fin des épreuves. C'était bien parti, hein. Écoute, ça aurait pu le faire, mais il y a foutage, là. Mais on va suivre Passepartout. Enfin, vous allez le suivre, et puis moi, je vais rejoindre tout de suite Françoise, qui est en train de se faire équiper. Passepartout, tu me les fatigues pas trop, hein. Allez, Zou, à tout à l'heure. Six clés, c'est super. Pour accéder au conseil, l'équipe doit impérativement entrer en possession du cristal. Le cristal est enfermé dans la salle des empreintes, au bout d'un passage parsemé d'obstacles. Un des membres de l'équipe doit plonger sous les fondations du fort pour atteindre la salle des commandes, seul endroit qui permet de déverrouiller les obstacles du passage. Dans sa progression, l'équipe doit délivrer ses éventuels prisonniers. Car la révélation du cristal n'est possible que lorsque les six membres de l'équipe apposent simultanément leur main droite. Bien, nous voici maintenant, mes amis, devant l'entrée du passage. C'est un moment important pour vous, pour une raison simple, c'est qu'au terme de ce passage, vous aurez libéré vos prisonniers et surtout, vous aurez récupéré le cristal qui vous permettra l'accès au conseil tout à l'heure. Mais, car il y a un mais, sinon à Fort Boyard, les choses seraient trop simples. Vous allez devoir, pour cela, entendre les conseils de Françoise, qui s'est donc équipée. Bon, Françoise, on va se faire un petit essai son déjà, est-ce que tu m'entends bien? Mais parfaitement, ma petite chérie. Très bien, comment tu te sens? Pas trop stressée? Un petit peu confinée tout de même, dans cette affaire-là, avec le casque qui doit peser, j'ai pas une vingtaine de kilos. C'est ça, je pense que j'aurai la migraine ce soir, et je ne peux pas voir mes pieds. Bon, et quoi qu'il en soit, t'inquiète pas, ça va très bien se passer, reste zen, détendue. Je sais, c'est facile à dire, mais une fois en bas surtout, pense bien à parler bien distinctement pour que les autres puissent t'entendre, parce que je pense que là où ils sont, ils ne pourront pas lire sur tes lèvres. Moi non plus d'ailleurs. Donc je vais t'accompagner jusqu'à l'échelle. Il faut c'est m'écouter. On va bien t'écouter, suivre tous tes conseils et ils vont aller récupérer, attention, voilà, le cristal. Voici, avec l'émotion qui nous étreint, un peu comme lorsque l'homme a marché pour la première fois sur la Lune, Françoise Laborde. Qui a changé, Françoise. Dans l'eau. a changé, Françoise. Légèrement. Soyez bien conscient que ce sont les indications données par Françoise qui vous aideront réellement à progresser dans ce passage. On va attendre qu'elle soit totalement immergée pour faire un essai de son et voir si elle peut. Si la communication est bonne entre vous et elle. Le temps pour elle, bien sûr, de prendre place. Alors, j'ai fait la commutation. Oui, est-ce que vous m'entendez, l'équipe? Françoise, c'est Olivier, nous t'entendons. Ah. Tu nous entends aussi? Bah, écoute, oui, je vous entends relativement bien de là où je suis. On peut pas dire que c'est très confortable comme position, mais enfin bon. On va tâcher de libérer les prisonniers puisque c'est ma mission. Entre autres choses, en effet, première étape de ta mission, c'est d'ouvrir la porte du passage pour tes trois camarades. Pour cela, tu dois avoir des indications devant toi. Alors, hop, voilà, une, deux, et trois. Oui, regardez. Est-ce que c'est ouvert? Maintenant, c'est ouvert. Oui, oui, tout à fait. Parfait, tenez, prenez l'appareil pour converser avec Françoise. Et bonne chance à vous, à tout à l'heure. Devez franchir le tiroir. Ça. On va être à la poignée du volant à l'est pour débloquer le bas de la porte. Passer un par un la tête de la première. C'est un peu difficile pour Antoine. C'est bon? Vous me faites savoir dès que vous êtes sorti. On est sortis tous les trois là. Alors maintenant vous allez ouvrir une des prisons. Alors attention, il faut plonger la main dans un des trois tubes. Il y a une manette au fond. Il faut tourner la manette. Il y a quoi, une manette? C'est
bon, c'est ouvert, vous pouvez passer à autre chose. C'est bon, c'est ouvert. Avancez dans le couloir, continuez la progression. Évasion. Je t'en libère ou quoi? Ouais. Salut, je passe un bonjour à ta mère. C'est par là. Ah ben, c'est par où que ça se... Je suis bloqué. Voilà, il y a une porte codée. Qu'est-ce que vous voyez dans ce code? C'est du braille, ça ressemble à quoi? Tu peux répéter, s'il te plaît? Ça ressemble. Attends, il y a des serpents, sans déconner. Ah non, mais non, moi je passe pas par là, hein, sans déconner. Attends, il n'y a pas d'autre moyen pour sortir d'autre part? Oh la vache. Sur la porte, il y a un code. Vous pouvez me le décrire. D'accord, alors il y en a deux. Le premier, c'est... Il y a deux points en haut. Un en dessous le premier... Il est encore en dessous, mais il est en dessous du deuxième. D'accord. Alors, si je me réfère de trois en haut... Ah non, non, il me regarde là, il me regarde là. Non, non, il me regarde, il me regarde, il me regarde. Bah oui, mais on n'est pas couché, ça, c'est sûr qu'on n'est pas couché, les enfants. Moi, je vous le dis tout de suite. Moi, tant que celui-là, il bouge pas, moi, je bouge pas. Je vous le dis tout de suite. Il y a trois lignes, Françoise. Deux points en haut. Voilà, un à gauche, et sur la troisième ligne, un à droite. Donc c'est un 6. Ok, un 6. Et le deuxième chiffre, c'est quoi? Oh non, 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 qu'est-ce que j'ai fait? Dégage, 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 tranquille, vas-y, vas-y, continue. La deuxième chose, c'est un à gauche, en haut à gauche. Et deux, la deuxième ligne en, à l'horizontale, un à droite, et le troisième à droite également. C'est 5. C'est 5? C'est 5. Ok. Vous faites rien, je m'en occupe. À l'intersection. Okay. Super. C'est parfait. Ne bougez plus. 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 Bouge plus, les gars. Non, non, ne bouge, non, ne bouge pas. Ne bouge, bouge pas, bouge, bouge pas, bouge pas, je te dis. Non, 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 je te dis de pas bouger, merde. Ah, super, on rentre. C'est bon, c'est ouvert. Très bien. Oh putain, il y a derrière moi. Oh ta mère. Oh ta mère. Bougez pas, bougez pas. Ta mère, ta mère, ta mère. Oh ta mère. Attends, ta mère. J'espère qu'il y a plus de merde. Oh non, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh non, 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 non. Tête en avant. Oh non, c'est quoi ça? Non, il y a des araignées, c'est ça? Non, sa mère. Il y a trois tubes. Maintenant? Il y a trois tubes. Il y a une manette à trouver dans un des trois tubes. Tournez la manette. Mais soyez prudent. C'est pour ouvrir une prison. D'accord, on est en train d'ouvrir. C'est bon? François, ça y est, c'est ouvert, bravo. Vous continuez alors? Oui, ok, on se dirige. Là, vous allez arriver à une porte à guillotine. C'est par là, je crois. Bon, c'est parti. Allez. Bon. Ah, pourquoi j'ai accepté ce jeu? Il m'a semblé connu. Je vois rien du tout, hein. Oh la vache. Oh, c'est quoi qui m'a touché là, sa mère? Je vois rien du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Oh non, c'est pas vrai. Non, sa mère. Ah, sa mère. Il y a mon pantalon qui est tombé, ça y est. J'ai plus de pantalon. Attention, j'ai mon pantalon qui est coupé juste dans les chaussures. Donc vous allez découvrir mon slip. Attention. Et voilà. Ah bah oui, je suis. J'ai prévu. J'ai perdu mon pantalon. Oh non.
quoi ce truc? C'est quoi? C'est une souris, c'est ça? T'es qui? Tu bouges pas, hein? Hein? Tu connais Saint-Quentin? C'est rigolo. Tu bouges pas. Non. Ta mère. Non. Attends, mais je vais jamais réussir à passer. Sa mère, il y en a plein, sa mère. Il y a une porte et ça doit coulisser, je sais pas, c'est... Alors, pour abaisser la guillotine, vous devez dévisser uniformément les boulons. Vous dévissez... Cherchez les boulons sous la grille et vous les dévissez uniformément. Et ça va abaisser la guillotine. C'est bien, les enfants. Vous devez retrouver une autre porte codée comme tout à l'heure. Oui, on est devant, Françoise. Donc en haut à gauche, au milieu à gauche, en bas à droite. En haut à gauche. C'est le 2, d'accord. Ah, oh, ça va. Salut mon grand. Ah, salut la famille, ça va? C'est quoi? Vous avez tous dégagé d'ici là, vite fait. Salut toi. Oh. Bon. Voilà. Vas-y. C'est trop long. Oh, ça chingue. Alors le deuxième domino, en haut à droite, au milieu à gauche, en bas à droite. C'est le 9. 29. 29. Donc maintenant je mets un autre track à l'intersection des 9. Tiens, tranquille, j'étais en panique. Ah ouais, moi j'ai aucun moment j'ai paniqué. Direct, j'étais direct. J'ai fait ça. Je pense qu'ils ont, j'ai battu le record du temps. Il y a un serpent, ils me regardaient super mal. Ah les serpents, je les ai dégagés en deux secondes. Faut que j'aille le voir tout à l'heure. Ah, je les ai pris un par un. Je les ai enlevés du truc. Il y en a un, j'en ai plus. C'est ouvert. Super, oui. Super, c'est ouvert. Génial. Tout le monde est libéré normalement. Yeah. Merci. C'est cool. J'ai beaucoup d'eau dans ma combinaison. Ah, ça va. Putain, c'est bon. Non, allez,
Donc vous êtes tous les quatre, tous les cinq. Vous devez être tous les cinq. Vous allez trouver des empreintes. Entrez dans la salle. Allez. Et bien qu'on y voit les empreintes. Ok, ouais, allez. C'est ah oui, des empreintes de main, ok. Ah oui, des empreintes de main, oui. Vous mettez chacun vos mains droites sur des empreintes. Vous êtes prêts? Oui. C'est bon. Le cristal va sortir. L'équipe a fait preuve d'un particulièrement grand courage. Passe-partout et passe-temps, je vous propose d'aller les chercher l'un et l'autre afin de reconstituer l'équipe. Allez-y. Bon, dis donc, sensation forte là. Ah oui, c'est lourd. Ça s'est passé pour toi? Il y a eu un petit moment, j'étais un peu oppressée quand même. Normal, ouais, tout à fait honnête. Mais bon, une fois qu'on est en bas, et puis je savais que tout le monde était là pour m'aider, je me suis dit. Décontracte-toi. Tu peux être fière de toi, je pense que tes enfants le seront également. Et puis oh, oui. Toi, moi, sincèrement, si tu veux tenter une reconversion après le journalisme, tu peux opter pour la plongée. Je suis pas sûre que je sois faite pour ça. Écoute, tu t'en es très très bien sortie. Merci. Les autres ont réussi à récupérer le cristal? Mais oui. Alors c'est génial. Mais on oui, la mission a été totalement réussie. Non, mais alors là, vraiment parfait. On n'a rien à dire, rien à reprocher. Mais tu as été excellente. Reste comme ça, regarde comme ça te va bien. Allez, suis-moi. Oui. On va aller rejoindre tous les autres. Ah voilà, on a retrouvé enfin son dynamisme. Ouais. Hein, on a eu le temps, hein, en même temps. Ça, hein, un peu plié. Comment? Un peu plié. Ah, je sais pas, je ne connais pas les races d'arbres. Voilà. Ouais. Je ne suis pas calé dans ce genre de... Bon, non, mais franchement, vous êtes bien débrouillé. Françoise a été d'une grande aide, il faut bien le dire. Elle vous a servi enfin quelque chose. Tu sais quoi? Tu vas pouvoir le lui dire en face. Je l'entends qui arrive. Antoine dans mes bras. Et Abigail. Bravo! Ah, vous pouvez la féliciter. Je ne peux pas aller plus vite, j'ai dit litre d'eau dans chaque pont. Cette femme n'a pas marché sur la lune, mais dans l'eau. Merci. Et ça vaut bien tous les applaudissements. Merci. C'était pas évident. Oh, pardon, je ne veux pas te blesser. Comment est-ce que tu as fait pour garder ton calme, dis-moi? Je me suis dit que de toute façon, j'arriverai pas à remonter en catastrophe, puisque c'était juste techniquement pas possible. Donc, respire, sois zen et heureuse. En tout cas, tu nous as bluffé, hein. Franchement, non. Oui, belle performance de la part de Françoise. Serena, tu vas suivre passe-temps, s'il te plaît, pour te préparer pour la prochaine aventure. Vas-y, ouais. Parce que maintenant, nous allons parler aventure. Je vous rappelle donc qu'avec ces aventures, c'est la possibilité pour vous de récupérer des indices. Et des indices, c'est important. Oui, c'est pas mal. Mais c'est l'idée de pouvoir trouver le mot-code tout à l'heure pour le trésor caché dans la salle. C'est peuplier, le mot-code. Non. Continue à chercher. Ce sera beaucoup plus difficile que ça. Le mieux maintenant, c'est de suivre passe-temps, de suivre passe-partout. Non, il s'appelle quand partout. Il s'appelle passe-partout. Isabelle. Passe-tout-part, Isabelle. Passe-partout. C'est le début des aventures. Oui. Par contre, on va quand même te laisser le déséquilibrer. Non, la pauvre. Non, la pauvre. Chaque aventure que les candidats vont vivre leur donne la possibilité de remporter un indice. C'est avec ces indices que l'équipe doit déduire le mot-code du jour, nécessaire pour déclencher la chute du trésor. Gagner le maximum d'indices est d'autant plus important qu'un échange contre des clés manquantes peut s'avérer nécessaire ou stratégique pour l'ouverture de la grille. Bien, nous voici au début de cette première aventure. Je parle comme ça, c'est vrai? Je me dandine comme ça. Non, tu es plutôt comme ça. Allez, tout de suite, la première aventure, c'est parti. Je savais pas que j'avais l'air aussi idiot. Bon, toujours est-il que Serena est en place. Antoine, tu vas partir à la terrasse pour l'aider. On t'expliquera tout dans un instant. Amine, au second, s'il te plaît. Allez-y, suivez passe-temps. Voilà. Toute l'équipe comme ça est mobilisée. Allez. Ce qu'on va faire, un cri-guerre à trois. C'est pas très, très sympa de nous laisser avec les deux. Là. Pourquoi non? On peut faire un cri-guerre à deux. Vas-y. Pour la sauce. Ouais, l'association. Solo. Pas mal. Ok. Juste pour eux, ensemble, on fera de notre mieux. Allons-y, on va voir. Venez. Tiens. Attention à la tête. Attention aux têtes. À la tête de qui?
À la tienne. La tienne déjà. Déjà, bonne attention. Bien, ouais, on est toujours à cycle. Ah, à cycle. Bon, Serena. Elle est là, la pauvre. Enfin, la pauvre, il n'y a pas de drame particulier, mais pour le moment, non. Tu es bien attachée, ça c'est le principal. Je découvre avec toi. Tu vas découvrir que, en fait, l'indice se trouve là-haut et que pour y arriver donc, il va falloir progresser sur ce poteau. Ouais. Tu as des petits paquets de bois qui te seront d'ailleurs donnés par Amine et par Antoine, qui se trouvent donc à deux niveaux différents. Faites attention, les garçons, avec le vent. Oui. Bon, parfait. À toi maintenant de te t'agripper au mieux. Ouais. Et d'aller le plus vite possible avant que l'indice ne se détruise. Je vais pas avoir de mal, regarde, normalement je colle au poteau. Ah bah ça devrait ça plutôt bien se passer. Bonne chance à vous. Bien se passer. Allez, c'est parti. Tranquillement. Alors elle va installer ses taquets dans chacun des trous. Les attelles dans les bouchons, au trou, et après il faut que tu grimpes. Voilà, et elle va se construire sur l'échelle. Les bleus, tu les mets dans les trous bleus, les marrons, tu les mets dans les trous marrons. Ne déconcentre pas, tout doux. Tout doux. Voilà. J'aimerais bien voir à sa place. Attends, tu fais ton malin, tu fais ton malin. T'as fait la prisonnière ou pas? Oui, bien. T'as vu comment j'ai fait un coup de check dans les serpents d'ailleurs. Allez, tout calmement. Amine, envoie les bouchons. Voilà, voilà, super Serena, c'est vachement bien. Voilà, t'assures bien tes pas. Allez, attention. Bien joué. Joli. Super, très très bien. Allez. Non, ah bah alors fais un trou. Envoie-lui la tour. Grimpe sur l'autre. Grimpe sur l'autre. Oui. Vas-y. Viens sur tes bras. Il n'ira pas où sont passés les jetons avant. Mais c'est allez. Vas-y. Non, mais n'aimez pas. Je rappelle que la cartouche se trouve tout là-haut. Il y a quand même un bon petit parcours à faire. Un bon petit parcours à faire. Il ne faut pas perdre trop de temps. On ne perd pas trop de temps quand même. Il y a un long parcours à faire. C'est bah, hey, encourage-la un peu, parce que c'est pas évident. Allez, d'aller où? Allez, vas-y. Là, je tiens sur un. Allez, on y va, on envoie d'autres taquets. Tranquille. Vas-y, balance. Ouais, voilà, super. Super, tu t'en sors très très bien, Serena. C'est bien. C'est à toi, là. J'en ai plus. Hein? Non, sans déconner. Vas-y, retrouve. Grimpe sur. Non, c'est sur descend. Pourquoi descend? Serena? Pour pas le coup. Ah, d'accord. Attention. Mais il faut que tu te hisses, là. Grimpe un peu plus. Grimpe encore un peu, tu vas trouver le trou, là. T'en as un. Vous perdez du temps, là. Allez, François, vas-y, 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 force sur tes bras. Voilà, tigné, voilà, tigné, yes, tigné. Yes, voilà, pose de pied gauche. Voilà, super. Yes. Parfait. Voilà, génial. Bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, yes. C'est par là. Allez, non, là, juste en rouge. Ouais, t'as droite. T'as trouvé le trou. Super. Ouais, allez, on continue. Allez, bravo. Tu restes bien. Lâche pas l'affaire. Non, non, faut pas que t'abandonnes. Là, je t'en fais du mal au pied. Allez, allez. On se reprend. Allez, on y va. Allez, c'est regarde, t'as déjà fait un bon pas. Juste pour eux. Allez, avec toi. Yes. Ouais, c'est bien, c'est bien. Allez, histoire. Allez, respire. Ouais, peut-être tout près des taquets, là. Ton pied gauche sur le taquet. Tu l'as, tu gagnes. Bravo. Super. Allez, faut vraiment, vraiment accélérer, là. Peut-être tu peux lui envoyer un taquet. Vas-y, Antoine. Comme ça, levé. Serena, regarde Antoine, il va t'envoyer un taquet. Attends, attends, attends. Regarde bien la cartouche, attention au pas. Ah là 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 là, ça vient d'exploser. Bon. Ça a explosé? Ça a explosé. Écoute, tu t'en es bien sorti malgré tout. Tu peux être fier de toi. Ouais. T'inquiète pas, tu vas redescendre tout doux. Bon, pour cette première aventure, c'est raté. Pas d'indice. Redescends tranquillement. Voilà. Bon, comment tu te sens? T'as été super bien, bien. Ce qu'il y a, c'est que c'est super dur physiquement. C'est dur, c'est dur. Il y a beaucoup d'espace hein, entre les taquets. Ouais. Oui, là, surtout. Écoute, je te fais les deux derniers. C'était très bien. Tu sais pas où tu vas chercher ta force, quoi. Tu nous rejoins, on va te laisser te déséquiper. Ouais. Hein, on retrouve ton sang-froid et puis nous on y va, on se passe partout. Allez, Françoise. Champagne. Je suis deg. Comment ça s'est passé? Bah, pas très 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 bien. On a pris un petit peu trop de temps. Serena n'a pas pu avoir la cartouche. Donc, pas d'annonce. Là, il faudrait vraiment qu'on ait celle-là. Eh bien oui! Eh oui, tout va reposer sur toi maintenant. Ah ben non, pas tout sur moi quand même. Si. Ah bon, très bien, j'y vais. Non, pas tout de suite, pas tout de suite. Ah bon.
Non, non, deux petites secondes, que je t'explique d'abord ce qui t'attend. Oh, j'ai compris. Comme vous pouvez le remarquer, il y a donc là, face à nous, une sorte de pont de singe, qui n'en est pas un, avec des rondins suspendus à plus de 10 mètres de hauteur. J'étais en train d'expliquer à votre petit camarade ce qui l'attendait dans un instant. Tu vas devoir donc progresser d'un rondin à l'autre jusqu'à temps que tu arrives à la cartouche qui se trouve donc suspendue devant toi. Tu n'as pas beaucoup de temps pour le faire, faute de quoi l'indice se détruira. Bonne chance à vous. C'est parti. Allez, on y va. Allez, et maintenant tu mets tes deux pieds dessus. Voilà, parfait. Wow. Super, il n'y en a plus que 13. Les deux mains. Tu tentes le tout pour le tout. Allez, allez, allez. Voilà, yes, yes, fais ça. Pourquoi pas, vas-y. Continue. C'est bien, tu t'en sors très bien. Bravo, bravo, bravo. Bon, écoutez, j'en peux plus là, qu'est-ce qu'on fait? Ça nous fait déjà un premier indice. On va te laisser là, t'es bien, je pense que tu t'es parfait. Voilà, ça t'apprendra à faire le malin. Tu nous retrouves après, d'accord? Le plus vite possible. En tout cas, félicitations, tu t'en es très très bien sorti. Mais t'inquiète pas, ils vont me faire descendre. Allez, c'est partout, passe-partout. Voilà, c'est parti, passe-partout. Mais revenez, les gars. C'est partout, passe-partout. Ils vont te relâcher. Ils vont te relâcher, Dodi, c'est promis. Ça s'est joué à quelques secondes, mais on l'a. Ça a été de justesse. Bon, premier indice. Deuxième, peut-être dans un instant, avec ce coffre à ouvrir. Viens, Françoise, je t'en prie. Viens nous rejoindre. Pour cela, un code à nouveau à retrouver. Et pour le trouver, ce code, il va falloir rentrer là-dedans. Ça va être pour toi, Guillaume. Oui, je suis désolé. C'est toi. Oh non. Mais attention. Non, j'ai une recommandation à te faire rapidement. Oui. Là-dedans, il y a des petites bébêtes qui ont extrêmement peur des hommes. Alors sois gentil avec elles, s'il te plaît. Ne les brusque pas. Voilà. Non. Antoine, de ton côté, tu vas rejoindre le père Foura à la vigie avec Passance. Allez-y. Il y a un code là à trouver. Hein. Oui, passe-partout, je t'en prie, vas-y. Procède à l'ouverture de la trappe. Attention, ouverture. À toi maintenant, Guillaume, emprunte. Voilà. Guillaume, l'échelle de corde. Tu reviens.
Bonne chance, un indice à la clé, c'est parti. Il nous faut cet indice, comme tu sais. Allez, Chantal, on y va. Vas-y, champion. Tout doux, il n'y a pas de souci. Je te rappelle que l'indice est en deux parties. Sur deux petites bébêtes très, très sympathiques. Ça, c'est rien, c'est rien. Ne tremble pas, là, t'es là, tu paniques déjà, t'inquiète pas. Essaye, respire bien. Ce sera encore pire tout à l'heure. Mais non, allez, rassure-toi. Tu souffles, calme-toi. Allez, c'est du coup. Essaye d'avoir le contrôle. Allez, t'inquiète pas, on va te guider, on est avec toi. Essaye d'avoir le contrôle. Regarde un petit peu partout. Regarde bien devant toi. Tu vas les retourner. En prendre un dans ta main. Ceux qui bougent ou ceux qui bougent pas? Ah bah écoute les deux. Hein. Okay. Commence par ce qui te rassure le plus, on va dire. Vas-y, tu cherches tout, partout, tu les attrapes, tu les retournes. Ils sont sympas, t'inquiète pas, hein, regarde, ils sont en train de dormir. Non, okay. T'as vu, j'y arrive. Allez. T'as vu, j'y arrive. Je te dis vraiment ça pour te rassurer, faut que tu prennes sur toi. C'est comme un meuble. Tu les déplies. N'hésite pas à les prendre à pleine main. Hein. Tu vas trop délicatement, là, je sais que c'est impressionnant. Que tu... Vas-y, mais... franchement. Putain. Vas-y, franchement. Pauvre que c'est une vieille anguille. Oh. Passons, tu vois? Tu vas y arriver. Vas-y. Oh, vache. Allez, faut y aller. Respire, pas la bruit, il lui faut cet indice, absolument. Ils sont pas les dents. Soulève au moins le cordage, si tu veux, tente. Hein? Il faut que tu déplies au moins ce serpent-là. Hein. Déplie-le, parce que ça se trouve, il est là, l'indice. Les indices sont écrits sur l'abdomen. Enfin, le ventre des serpents. Il faut que tu regardes sur le ventre des serpents. T'as vu la taille du ventre des serpents? Il faut que tu les retournes tous. Il faut qu'il les déplie. Vraiment, tu les déplies sans flipper. Faut pas te faire peur. Mais non, t'en lui. Faut pas te faire peur. À ce point-là? Vas-y, franchement, tu l'as, regarde. Fais rien, t'as vu, fais rien. Voilà, comme ça. Comme ça, voilà, tu l'as. Voilà. Maintenant, continue. Il y a une trappe sur ta gauche, Où ça? Ici? Voilà, tire la poignée. Mais non. Si? Ça va ouvrir. Ouais, ouvre là. Attention, il y a un serpent au bout de dedans. Non, vas-y, y'a rien, vas-y. Il y a un cordage, il peut tirer dessus. Il y a un cordage, ah, tire. Ouais, mais c'est la... Juste sous le serpent, voilà. Il y a un cordage. Tu tires, ça va s'ouvrir. Tu tires. Le serpent va rien faire, t'inquiète pas. Déplie-le. Déplace-le directement, déplace-le. Voilà. Voilà, continue. Il dort le serpent. Tu l'as. Vas-y, continue. Allez, qui tire l'anneau là. Tire l'anneau. Tire-le tout de suite. Voilà, yes. Maintenant, regarde à l'intérieur. Fou, il n'est pas peur. Voilà, ça, c'est d'autres petits serpents, ils sont sympathiques aussi. Il faut que tu regardes. T'inquiète pas, ils vont rien faire. Ils vont rien faire, regarde, depuis tout à l'heure, tu les... Aïe, plus le temps. Fais attention, mon gars, il a plus le temps. Plus le temps, ça y est, c'est fini. Bon, faites-le sortir. Guillaume. Je sors? Oui, tu peux sortir. Allez, vas-y, viens. Putain, mais merde. Forcément, les codes étaient sur les bancs des serpents. Le truc, c'est que tu ne les as pas déroulés suffisamment. T'as eu vachement de courage. Mais t'as eu beaucoup de courage. Je t'en ai bien sorti. Bravo. Allez, viens. Non, pas pris sur toi, tu as été admirable. Allez, viens me rejoindre. Oh putain, mais viens me rejoindre. Oh, bah écoute. Je t'en ai super bien sorti. Bah écoute, je t'en ai bien tiré, tu sais. Non. Bon, qu'est-ce que t'as ressenti? Raconte-nous quand même un petit peu. Que je pense que je vais en acheter trois maintenant pour notre chien. Un vivarium dans ton salon. T'as choisi nickel ou pas? Bon, écoute, tu t'en es bien sorti. Mais non, ne sois pas désolé. Malgré tout, tu t'es bien dépassé. C'était très, très courageux. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à sa place? Moi, j'aurais tourné de l'œil. T'aurais tourné de l'œil, surtout. Bon, allez. Attends. Hop. Allez, coucou, je paillais. On va retrouver tout de suite Antoine. Maman! Antoine, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez trébuché quelque part? J'ai été bisouté en arrivant. C'était ma première fois au fort. C'est pour ça que je ne descends jamais. Je vous aurais bien passé quelque chose de rechange, mais je n'ai que des affaires comme ça. Ça colle aux cheveux, c'est pas terrible. Voilà. Bon, écoutez alors, essayez de vous concentrer tout de même. Trois définitions. Première définition. Perdez mon indice et vous serez dépassé. Allez, proposez-moi ce qui vous passe par la tête. Perdez mon indice et vous serez dépassé. Allez. Non, pas ça, non. Alors, deuxième définition, vous allez recouper les deux ensemble. Levez mon indice et vous n'irez pas très vite. La vitesse? Alors, la vitesse, c'est pas votre fort pour le moment, hein. Troisième définition. Je vois que vous possédez
deux exemplaires de mon indice. Si. Non. Chaussures. Non, allez, allez, encore. Gants, chaussettes. Écoutez, eh ben, écoutez, on va se quitter. Voilà, écoutez, vous allez garder tout ça en tête, continuez à réfléchir, vous n'êtes pas loin, vous avez tous les éléments pour trouver. Alors, je ne vous confie pas ça, ça je le garde. Mais, continuez à réfléchir. Allez, allez, descendez. Gardez bien les définitions, continuez, mémorisez, tout et tout. Que ça travaille là-dedans, que ça travaille. Pour moi, il y a un truc que j'ai pas bien compris, c'est combien il y a de garçons et combien il y a de filles dans cette équipe. Bien, Amine, c'est donc devant ton équipe qui est là en bas. Angèle, les amis, Amine est prêt, ou presque, à faire le saut de l'ange pour récupérer la cartouche qui se trouve donc face à toi. Ok. Je te propose d'aller rejoindre Antoine afin qu'il t'équipe, te sécurise et te montre les derniers gestes à faire avant le saut. Bonne chance, Amine. Et à tout à l'heure. Tout doux, hein. Il faut vraiment que tu laisses cet indice. Donc tu gardes bien les yeux ouverts, déjà dans un premier temps, ça peut être utile. Oui. Tu sautes pas simplement comme ça sans tendre les bras pour l'attraper. Ne te laisse pas envahir, je vais faire l'extase. C'est pas une épreuve de prime, hein. C'est une épreuve d'attrapage. Allez, ça va bien se passer, on croit en toi. Il nous faut ce deuxième indice, c'est super important, sinon vous allez vraiment avoir du mal à trouver le mot code devant la grille de la salle du trésor tout à l'heure. Je pense qu'avec un indice, je pourrais trouver le mot. Toi ? Mais bien sûr. Ah non, tu l'as ou pas ? Non. Oh, mais je l'ai pas su. Non, j'ai les jambes. Tu te rappelles quand même des définitions du perforat ? Oui. Bon, vous allez pouvoir vous concerter après pour essayer de réfléchir. Pourquoi la définition du perforat, ça joue pour l'indice ? Bah, ça peut, oui, si vous le trouvez. Mais on verra ça tout à l'heure. On va déjà se concentrer sur Amine. C'est qui, elle ? Ouais. Ah, c'est le mec. C'est le mec, là. Ouais, essayez d'être super sérieux là sur ce coup-là parce que c'est... Allez Amine. Amine, ouvre les yeux. Ils sont bien. Vise. Allez, c'est tout dans le mental là, hein, Amine. Regarde pas trop en bas. Non, regarde pas. Vise la cartouche. Le cartouche. La cartouche. Non, là. On peut garder cartouche. Ah, t'es sûr. Allez, restez sérieux. Tu peux y aller ? Allez, mamie. Prends la chance. C'est quand tu veux, Amine. Faut vraiment que tu le sentes. Prends quelques secondes si c'est utile. Te précipite pas. Hein. Vas-y. Juste un truc. Concentre. Oh, je suis dégoûtant. Je peux crier. Allez, mamie. Allez, un. Et trois. Yahoo! Descends et remonte. Yes. Oh là là, c'est trop bien, c'est bien. Non, mais c'est ça l'idée. Il y arrive, regarde, très bien. Vas-y, pourquoi pas, essaye de faire balancier. Mais non, oui. Non, ça tue assez d'élan. Putain, c'est super. Très bien, tu t'es lancé, en tout cas, t'as pas hésité. Tu peux être fier de toi, malheureusement. Pas d'indice sur ce coup-là. Ça me fait peur là, je vous cache pas que je suis quand même super inquiète. Oui, non mais... Bah si, un indice, ça va pas être suffisant. C'est loin, ça va être suffisant. Ah bah je crois. Ils se font descendre. C'est quoi son problème? Qu'est-ce qui s'est passé? La cloche vient de retentir, ce qui veut dire que c'est la fin des aventures. Donc il va être temps pour vous de vous rendre au conseil. Récupérer Amine. En tout cas, je vous félicite. Oui, il va falloir gagner du temps au conseil, on vous expliquera tout. Vous pouvez le féliciter. Ah bah on le félicite. Vous en êtes bien sorti. Bravo à toi. Allez, on y va. On y va. On va au conseil. Allez, au conseil. T'as sauté un petit peu loin, Amine, c'est dommage. Grâce au cristal récupéré dans la salle des empreintes, les candidats entrent dans le conseil pour affronter et défier les maîtres des ténèbres. Gagner des duels est indispensable pour récupérer le temps si précieux à la collecte des boyards. Messieurs, bonsoir. Je déclare ouverte la séance du conseil. Je vous rappelle que les candidats pénètrent ici pour récupérer un maximum de temps dans la salle du trésor. À vous d'œuvrer au mieux dans les intérêts du fort.
On va dire, voilà, vous êtes maintenant dans l'antichambre du conseil. De l'autre côté, vous allez devoir affronter les maîtres du Tête des Ténèbres pour gagner un petit peu plus de temps. Vous avez 6 clés, c'est bien, mais un seul indice. Donc là, il va vraiment falloir vous battre pour récupérer vraiment beaucoup de temps pour récupérer les boyards. La passe-muraille, je crois que tu peux le remettre. Le cristal, c'est bien mérité. Vas-y, ma petite chienne. Allez. Allez. Oh, comme c'est beau. L'un d'entre vous va être appelé dans un instant, un petit peu de sérieux. Je demande Antoine. Antoine, tu viens dans le fond de la porte. Moi, je peux pas aller plus loin, j'ai pas le droit de passer cette porte. Je vous retrouve à la sortie, je vous souhaite bonne chance. Antoine, bienvenue au conseil. Merci. Je te précise que pour l'instant, vous avez 3 minutes garanties dans la salle du trésor, ce qui n'est pas beaucoup pour récupérer le maximum de boyards. Chaque duel qui vous est proposé ici vous permet de récupérer 15 secondes supplémentaires. Bonne chance à toi. Approche. Maître des Ténèbres, je demande le jeu. Antoine, voici le duel dit du bio. À tour de rôle, vous allez donc frapper sur ce clou jusqu'à temps que le dernier ne l'enfonce totalement dans la pièce de bois. Celui qui aura fait cette dernière et ultime action aura donc gagné le duel. Bonne chance, messieurs. Jouez! En 2 manches gagnantes, je précise. Première manche pour Antoine. Antoine, tu as remporté ce duel. Je t'en prie, approche-toi, saisis-toi de 15 secondes de temps ici représenté. Voilà, et verse-les devant toi. Parfait. Tu peux quitter le conseil par ici. Maître, la porte. Bon alors Antoine, comment c'était là-dessus ? C'est bon, on a gagné 15 secondes. C'est vrai ? 15 secondes de plus, sur quoi ouais. Tomber ? Sur le marteau et les clous. T'es un homme costaud, toi. Hein. Heureusement qu'on t'a dans l'équipe. J'espère que les autres vont faire aussi bien. J'espère. Bravo à toi. Et de toute façon, les secondes supplémentaires sont vraiment importantes dans la salle du trésor. On va les attendre. Je demande Serena. C'est juste à ma petite chérie, ne te laisse pas faire. Serena, sois la bienvenue au conseil. Je te précise que pour le moment, le premier duel a été remporté par Antoine. 15 secondes déjà supplémentaires aux 3 minutes accordées, peut-être 15 de plus grâce à toi. Approche. Maître des Ténèbres, je demande le jeu. Serena, ce duel consiste dans le fait de mettre le feu simultanément, le maître et toi, à la feuille de papier pliée qui se trouve devant toi. Le premier de vous deux qui soit fait éteindre sa feuille de papier, soit lâche la feuille de papier ou la fait brûler dans son intégralité, aura perdu le duel. Bonne chance. Saisissez-vous du papier. Attention. Mettez le feu. À ne pas faire chez soi parce que les parents ne sont pas là.
Très bien, maître. Que vous arrive-t-il? Vous vous enflammez. Ça va bien. Bravo, Serena. Ne provoque pas trop non plus le maître des ténèbres. Mais tu as très bien joué. Je t'en prie, approche. Tu peux t'emparer maintenant des 15 secondes de temps supplémentaire et les verser juste devant. Je t'en prie, tu peux quitter le conseil par ici. D'accord. Je comprends que je vais faire un okay. Je t'en prie. Maître, la porte. Comment ça s'est passé avec le maître des ténèbres? Je l'ai tué. Tu l'as tué, c'est vrai? Et t'as eu quoi comme épreuve? Qu'est-ce que t'as eu, le papier? Ça va tes doigts, fais voir. Non, j'ai pas parlé. J'avais de la main, je l'ai cliqué. Donc ça veut dire que ça nous fait, pour l'instant, 30 secondes de plus. Olivier me dit, il faut pas provoquer le maître des ténèbres. Ouais, faut faire attention, c'est jamais. Je demande Samantha. Samantha, bienvenue au conseil. Salut. Approche d'un pas. Tu vas être confrontée à un des maîtres des ténèbres pour un duel qui te permettra peut-être pour ton équipe de remporter 15 secondes supplémentaires. Approche. Salut. Maître des ténèbres, je demande le jeu. Voici le duel dit des bâtonnets. Tu auras, tout comme le maître des ténèbres, la possibilité, à tour de rôle, d'ôter un, deux ou trois bâtonnets. Jusqu'à temps, bien sûr, qu'il n'en reste plus qu'un. Celui qui restera en possession du dernier aura bien sûr perdu le duel. Bonne chance. Jouez. C'est toi qui commences. C'est toi, Samantha. Ah, c'est moi qui commence. Malheureusement perdu ce duel. J'ai le droit de garder un truc de souvenir? En souvenir? Oui. Je ne pense pas que ce soit dans les usages de ce conseil. Ah. Merci, tu peux quitter. Par ici. Bien joué. Par ici, par ici. Je vous en prie. Salut. Je demande Chantal. Chantal, on compte sur toi. Chantal, bienvenue au conseil. Tu vas dans un instant te confronter dans un duel avec un des maîtres des ténèbres pour 15 secondes supplémentaires. Jusqu'à présent, vous avez 30 secondes de plus sur les 3 minutes garanties. Bonne chance, approche. Maître des ténèbres, je demande le jeu. À tour de rôle, et c'est toi qui commenceras. Vous placerez une seule pièce dans le gobelet qui se trouve dans l'aquarium. Le premier de vous deux qui fait couler le gobelet a bien entendu perdu le duel. Okay. Bonne chance. Jouez. Bon alors, Samantha, comment ça s'est passé? Bah, il s'est passé que, au fait, c'est lui qui aurait dû commencer à tirer, parce que si c'est lui qui aurait commencé à tirer, j'aurais gagné. Parce que j'avais une stratégie qui était faite, que c'est lui qui tire. Et quand, comment il s'appelle, le monsieur là, le maître des ténèbres? Non, Olivier. Ouais, il m'a dit que c'est moi qui commençais, je savais que j'allais perdre. Ouais, parce qu'on avait élaboré une technique
que c'est lui qui devait commencer. Ceci dit, tu sais que c'est quand même très important d'avoir du temps en plus dans la salle du trésor. Ça t'a pris. J'espère que t'as fait ton mieux. Ah, bah bien sûr, j'ai fait ce que j'ai pu. Je te rassure, on a déjà 30 secondes en plus. Ah, bien joué. J'espère que le prochain va faire aussi bien que les deux premiers. Allez. Attention à tes cheveux. Bien désolé, mais le maître a eu raison de toi. Je t'en prie, tu peux quitter le conseil par ici. Maître, la séance du conseil est close. Je ne sais trop quoi dire. En forme, semble-t-il, ce soir. Au revoir. Ça te fait rire, toi. T'as perdu, c'est vrai? Ouais. Ah, c'est quoi comme épreuve? C'était les pièces dans le verre. Oh non! Ouais, je sais. Qu'est-ce que t'as fait? T'as gagné, toi? Bah non, c'est la dame. Tu as brillant. Devine qui a commencé. Vous avez gagné, vous? Serena et Antoine ont récupéré 30 secondes de plus. C'est bien, les gars. Trésor, si je récapitule, ça fait 3 minutes 30. On va aller s'y rendre tout de suite et vous allez voir que le temps passe très très vite. Très très vite. Donc il va falloir être actif. Allez, on y va. C'est ce que moi j'ai eu, une petite débarrette. Et tu sais qui a commencé? Non, c'est pas moi. Ah, c'est moi qui a commencé. Donc forcément, j'ai perdu. Ah, bah oui, mais alors, peut-être qu'on y aille. Ok, on y va. Ah, pardon. Pour entrer dans la salle du trésor, afin d'écrire le mot code et provoquer la chute du trésor, il faut en ouvrir l'accès. C'est le nombre de clés placées dans les serrures qui détermine la hauteur de cet accès. Mais attention, si les candidats non vigilants ne ressortent pas avant sa fermeture, ils se retrouvent enfermés. Une herse bloque alors la sortie des tigres, mais provoque la perte totale et définitive de tous les brouillards amassés. Allez, venez, ne tardez pas, approchez-vous de la grille de la salle du trésor. Placez-vous devant la grille. Bien. Alors, faisons d'abord un petit récapitulatif, s'il vous plaît. Oui. Vous avez donc, pour le moment, en votre possession, 6 clés. Oui, c'est bien ça. Vous avez également, en termes d'indices, beaucoup moins d'indices que ceux que nous espérions, c'est-à-dire que vous n'en avez que 1. C'est le problème. Et, heureusement pour vous, 30 secondes supplémentaires dans la salle du trésor, ajoutées aux 3 minutes, vous avez donc 3 minutes 30. Maintenant, la stratégie. Alors, la stratégie, là, on arrête de plaisanter, on est sérieux. Vous savez que vous avez un maximum de boyards à récupérer pour l'association. Donc, 6 clés, ça veut dire que la porte s'ouvre jusque-là. C'est déjà pas mal, ça aurait pu être pire. 3 minutes 30 dans la salle du trésor, effectivement, c'est bien, mais le problème, c'est cet indice. Qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que vous l'échangez contre une clé supplémentaire pour que la porte s'ouvre entièrement ou pas? Ou alors après, vous pouvez effectivement tenter les sacrifices humains pour avoir des indices en plus. Bah, les deux. À vous de voir. Moi, je peux pas prendre la décision. On va faire un peu des deux. On va doser au fur et à mesure que les choses avancent. On va d'abord essayer. Malgré tout, vous pouvez quand même rentrer dans la salle avec ces clés. C'est déjà bien. On va essayer de trouver l'indice que le père Fouettard nous a demandé. Réfléchis aux indices. T'as réfléchi un peu? Alors. Et mon premier. Si je perds mon premier indice, je me fais dépasser. Si je lève mon deuxième indice, je perds la vitesse. Je perds la vitesse? Je perds l'équilibre, quelque chose comme ça. Non, et tu perds de la vitesse. Je perds de la vitesse et je suis sur, sur la paire de l'indice, sur une paire de l'indice. Et donc, je pense que c'est pied. C'est le pied? Vous êtes tous d'accord là-dessus? Moi, c'est le pied. En même temps, on n'a aucune certitude. Alors, on n'a aucune certitude là-dessus. Légèrement, c'est le pied.
On a à vous de faire le lien après. On a un indice. On laisse donc pour le moment un indice sûr que vous ouvrirez peut-être dans un instant, plus un indice improbable ou probable. C'est tout. Est-ce suffisant? Est-ce que vous voulez néanmoins garder vos six clés ou changer la donne? Il nous faut une porte complètement ouverte. Sinon, comme ça, on n'y arrive pas. C'est vous qui voyez. J'espère que c'est la meilleure stratégie possible. Non, mais moi, je pense que c'est ça. Bien. Je vous laisse encore quelques secondes pour réfléchir. Passepartout va d'abord vous donner... Passepartout va d'abord vous donner les clés que vous avez déjà gagnées, de manière à ce que vous les fixiez dans la grille qui se trouve derrière vous. Oh, c'est pas la même. Dans les serrures, allez-y, placez chacune de vos clés dans les serrures. Rien de tel que encore quelques moments de réflexion. Non, il y a la bête. De procéder au moins à un échange. Allez, c'est allez, moi allez, 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 faut insérer les serrures. Et c'est bon. Ça, c'était la mienne. Non, je sais pas comment ça marche. On contourne ? Non, non, vous les placez simplement. Ça désamorcera la porte le moment venu. Antoine, surtout, tiens-toi prêt, par exemple. Je te désigne toi pour aller capsuler. Maintenant que la porte est déverrouillée, qu'en est-il exactement de votre stratégie ? Êtes-vous toujours d'accord ou non pour donner le seul indice que vous ayez en échange d'une clé supplémentaire? Oui, oui. Oui, oui. Bon, oui. Dans ce cas, passe-muraille procède à l'échange. J'espère que c'est passe-muraille. Passe-muraille. Voilà, Serena place la clé, la dernière et donc septième clé dans la grille. Allez, ma paix. Avec un indice, trouver le mot. Là, il va falloir être très, très, très rapide pour le sacrifice. Très bien. À partir de maintenant, il ne vous est plus possible de revenir en arrière. Bonne chance. Allez, tu récupères la cartouche, tu la donnes à Antoine par exemple. Antoine, tu vas aller décapsuler très très vite. Voilà, c'est parti. C'est quoi celle qu'il y a dedans? Allez, vas-y. C'est Fourberie de Scapin, c'est l'histoire d'un valet. Oui. Et le troisième, c'était serviteur. Tête de tigre! Vous pouvez
dévorer l'ensemble de votre butin. Dommage. Je vous en prie, pour la fin. Présentez-vous à la pesée. Allez, allez tous en place, allez-y. Allez, vous installez là-bas. On a bien allé. Ça va? Françoise, je t'en prie, viens te placer près de Antoine. Bien, alors, valet, vous disiez-vous. Oui. Et oui, vous aviez raison, car pied, Françoise avait raison, le valet de pied est un domestique de grande maison. Scapin, c'est donc un valet dans les fourberies de Scapin, de Molière. Quant à un serviteur est un valet qui se met entièrement à la disposition de quelqu'un. Bravo, Françoise. Bien joué. Bravo, Françoise. En effet, bien joué. Ce valet vous rapporte combien maintenant? Voyons cela. Passe-partout, passe-temps et passe-muraille nous propose le butin. Et il s'agit... Alors 9 320 euros. Très très bon. Bien, ça n'a pas été sans mal, mais vous y êtes arrivé. Avec du genre, rappelle quand même, un seul indice. Arrivé à la salle du trésor, plus un autre peu probable, c'est d'été par. Je vous en prie, exprimez donc votre joie, on est heureux pour vous. Merci à vous d'avoir été avec nous, je vous laisse en bonne compagnie avec Anne-Gaëlle. Merci Anne-Gaëlle. Au revoir Olivier. Tout à l'heure, je reviens. Bon, écoutez, félicitations. Un prix de guerre, allez-y, je vous en prie, vous pouvez. Allez, sur le proscenium, un petit prix de guerre. Ah, cette fois-ci, je vais faire une intro beaucoup plus importante. C'est une chorégraphie. Ah oui. Allez, c'est reparti pour le solo. Ah, c'est parti. Go. C'est toi. Ne tombe pas. Juste pour eux. Ensemble, nous ferons de notre mieux. Et vous avez gagné. Super, les besoins. Bravo. Ça a été risqué, mais ça a été bien joué. Je tenais vraiment à se féliciter. C'est vrai. Et alors là, vraiment, 9 320 euros, c'est une très jolie somme pour l'association. Françoise, tu peux peut-être nous redire un petit mot, justement. Bah, cette association, justement, elle a été créée en 2004, après le tremblement de terre au Maroc, qui avait dévasté le pays. Et elle permet d'aider les enfants, pour l'instant au Maroc, et puis après dans tous les pays du Maghreb, à aller à l'école, à avoir les moyens de lire, d'écrire, et puis à faire du développement durable et à faire de l'aide du développement général. Donc ça, c'est vraiment un atout majeur, donner les moyens de se cultiver, d'aller à l'école, d'apprendre à lire et écrire. Hein, c'est très important. Je suis marocain et il y a beaucoup d'enfants qui sont en manque de culture chez moi, dans mon pays, donc je suis très content d'avoir pu contribuer à cette aide avec toute l'équipe, quoi. Et à faire connaître l'association, surtout. En tout cas, merci pour votre implication et pour votre soutien. Je vais vous laisser ramener tous ces boyards qui ne sont pas pour vous, mais juste pour eux. Bien sûr. Jeu de mots. Elle est blonde. Pour dire au revoir, c'est là que ça se passe. Ciao à tous, excellente soirée sur France 2. À la semaine prochaine, bye bye. Et enfin, bravo à vous, je vous accompagne. Motivés, des dizaines d'épreuves et des milliers de boyards. C'est ça la formule magique du fort. À bientôt pour de nouvelles aventures. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. We'll be right back.
insolite, drôle, rare ou nouveau, rien n'échappe à Gullimag. Vendredi prochain sur Gulli. Fort Boyard reçoit dans ses murs Daniel Evenou et Jerry Lémergie, deux candidats taillés pour l'aventure. Daniel, comment te sens-tu là-haut ? À l'aise. Je suis jamais assez haute. Regardez. Tu peux retourner un petit coup là. Toujours plus loin. Toujours plus haut. Toujours plus fort. Fort Boyard, vendredi prochain, 20h35, sur Gulli.